Aujourd'hui, c'est une clé sociologique qui vous est proposée pour entrer dans la Wallonie, et ce, en parlant d'identité. Denise Van Damme, sociologue d'origine flamande, installée en Wallonie, a analysé les identités culturelles d'un échantillon de dirigeants flamands et wallons en les interrogeant sur leur représentation. Denise Van Damme, pourquoi avez-vous fait cette recherche sur la Wallonie ? Mais tout d'abord parce que la Wallonie me passionne vraiment très fort. Je trouve que la Wallonie est une société très riche, très dynamique. Or, le problème est que les Wallons connaissent trop peu la Wallonie. La connaissent surtout par ses aspects négatifs, les scandales, le déclin et tout. Donc, j'ai voulu savoir, à travers ma recherche, quelles sont les images, quelles sont les représentations sociales que les Wallons ont de leur région. Qu'est-ce que c'est des représentations sociales ? Oui, c'est un terme sociologique. Avec ça, on veut dire l'ensemble des images, l'ensemble des attitudes que l'on a vis-à-vis de sa région. Alors, il faut que je dise que l'individu, tout être humain, est un être complexe. On ne vit pas seul, on vit dans une société. On a diverses identités, une identité sexuelle, une identité professionnelle, une identité sociale, et on a aussi une identité régionale ou nationale. On appartient à une région, une nation, et voilà, c'est aussi simple que ça. Si l'identité est multiple, dans quel domaine avez-vous cherché à définir ces différentes identités ? Mais dans le cadre de ma recherche, je me suis limitée aux sentiments d'appartenance, aux représentations de la culture, de l'économie, toute une série d'autres éléments. Alors d'abord, le sentiment d'appartenance. Oui, là, une première constatation était que les Flamands se sentent bien plus appartenir à la Flandre que les Wallons se sentent appartenir à la Wallonie. En ce qui concerne la Belgique, c'est le contraire. Donc les Flamands se sentent beaucoup moins appartenir à la Belgique que les Wallons se sentent appartenir à la Belgique. Mais au-delà de ça que tout le monde sait par les enquêtes d'opinion, déjà ça, ce n'est rien de nouveau, ce qui me semble intéressant, c'est de constater que la conception même du sentiment d'appartenance est fort différente du côté flamand et du côté wallon. Du côté flamand, c'est comme si c'est un devoir moral de se battre pour la Flandre, de se sentir appartenir à la Flandre. C'est une évidence, ça va de soi. Du côté wallon, on rejette toute forme de sentiment d'appartenance romantique. On se dit, il faut se sentir appartenir à la Wallonie parce que c'est pour le bien du développement économique de la Wallonie. Donc, il y a une attitude très instrumentaliste. On considère le sentiment d'appartenance comme un outil pour le développement économique en Wallonie. Et l'identité culturelle flamande, c'est une notion qui est finalement extrêmement importante. Moi, je me rappelle toujours qu'il y a quelques années, lorsque j'ai introduit la qualité intégrale dans le groupe Bekaert, je travaillais avec un professeur japonais. Et à un certain moment, je lui ai demandé, voilà, nous avons fait l'expérience de ce concept sur une petite unité de 250 personnes, je vais la transposer sur une unité en West-Flandre de 4000 personnes. Quel est le genre de problème qu'on va rencontrer ? Et là, il m'a dit, écoutez, vous ne devriez pas en rencontrer énormément parce que votre communauté du travail en West-Flandre est du point de vue socioculturel homogène. On était à 98%, donc c'était de la population des travailleurs West-Flandres. Alors, je veux être tout à fait clair là-dessus, il ne disait pas dans un concept raciste. On pourrait l'interpréter comme ça. Mais il le disait parce que il dit, si vous n'avez pas d'homogénéité socioculturelle, à ce moment-là, vous avez des problèmes de communication beaucoup plus importants que ceux que vous auriez lorsque vous avez affaire à une identité culturelle. Je crois que cette identité culturelle flamande existe. Elle s'exprime par les caractères propres du flamand. Bon, il a une langue, ça c'est une chose, mais il a des caractéristiques propres de personnalité. C'est un grand travailleur. Il est conscient, il est sérieux, ce n'est pas un révolutionnaire. Mais il est évident qu'il y a une certaine conscience, et cette conscience, à mon avis, a été créée du fait du sentiment d'infériorité dans lequel on a été placé pendant des dizaines d'années. Disons, c'est la période d'avant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça a été créé à ce moment-là. On a dû se réunir pour se défendre. On l'a fait autour d'une identité. Et puis, on a une histoire, quand même, une histoire qui remonte à bien des années. Tout ça, c'est exprimé de façon extrêmement concrète. Et je crois que là, elle est plus affirmée en Flandre que, par exemple, en Wallonie.
Toutefois, certains flamands issus du monde culturel estiment que le gouvernement flamand essaie d'imposer une certaine identité aux flamands. En tout cas, le gouvernement flamand essaie, par les moyens qui sont à sa disposition, de développer une idéologie globale flamande. Mais moi, je n'ai pas l'impression que leurs efforts sont couronnés de succès. Je ne crois pas. Par exemple, il y a eu, et ce n'était même pas une initiative du gouvernement flamand, mais d'un député au Vlaams Parlement, il y a eu une tentative de réécrire l'enseignement de l'histoire. Ça n'a pas réussi. Il y a une tentative de créer un certain sentiment vague du flamand global très réussi, un commerçant ou un entrepreneur, et même un culturel très connu. Les Wallons s'inscrivent presque exclusivement dans la logique rationaliste. Le sentiment d'appartenance est considéré comme un outil pour le développement économique. Il n'y a pas lieu d'éprouver des sentiments romantiques pour la Wallonie. Non, l'important est d'œuvrer pour son développement social, économique et démocratique. On part d'une identité qui serait celle du citoyen, où le sol, le territoire, accorde des droits aux personnes qui vivent en Wallonie. Donc on s'écarte d'un modèle national classique, tel qu'un Gellner, par exemple, pouvait le modéliser. Vous faites parfois l'analogie avec le projet d'entreprise pour parler de l'identité wallonne. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut une mobilisation citoyenne. Il faut qu'à un certain moment, il y ait une sorte de culture d'entreprise qui puisse se faire au niveau de la Wallonie. Et je dis que cette culture d'entreprise, cette promotion de l'identité, n'est pas davantage qu'une reconnaissance de l'un et de l'autre, d'un même parcours, d'une même histoire momentanée, tel que cela peut exister dans une entreprise. Et s'il faut des signes de reconnaissance, je ne suis pas très, très porté pour les drapeaux que l'on agite ou autre chose, mais je trouve qu'un logo, une image, un élément de reconnaissance en disant « ça, c'est la Wallonie, ça, ce sont les gens qui se trouvent dans un territoire et qui ont un destin commun, momentané », eh bien, ce sont des éléments de reconnaissance qui peuvent exister et qui sont simplement liés à une culture d'entreprise comme on peut trouver chez IBM ou chez Cockerill. Ce sont des valeurs qui sont mises en avant, mais des valeurs que l'on veut démocratiques, les plus ouvertes possibles, parce que plus elles sont ouvertes, plus on pourra intégrer et faire adhérer à un projet qui était débattu en commun, qui serait un projet wallon, l'ensemble de la population, hommes et femmes, wallons d'ici, wallons d'ailleurs, tous ceux qui simplement habitent sur ce territoire tel qu'il a été défini par la réforme de l'État. Mais pour beaucoup de wallons, la Wallonie est aussi une région qui se cherche. La Wallonie est jeune constitutionnellement. Elle doit donc s'organiser un peu comme un petit enfant qui cherche ses repères. Un petit enfant qui vient au monde, qui reconnaît des visages familiers, petit à petit des voix familières, qui reconnaît des lieux. Et alors la Wallonie, jeune constitutionnellement, doit s'organiser. Elle doit reconnaître son territoire, elle doit reconnaître, faire l'inventaire de son potentiel humain, de son potentiel géographique, de son potentiel économique. L'attachement à des valeurs démocratiques serait une composante essentielle de la société wallonne. Oui, bien sûr. Là, c'est une lecture, évidemment, des lieux de mémoire. Les lieux de mémoire, c'est bien sûr le territoire où l'on vit, qui est chargé d'une mémoire, je dirais, des hommes qui y ont vécu. C'est aussi la mémoire chargée des souffrances des hommes qui y ont vécu. Je dirais, un terril est un lieu de mémoire. Un châssis à molette, une belle fleur, est un lieu de mémoire. C'est la mémoire des souffrances des hommes qui y ont vécu en Wallonie. Mais il y a aussi des lieux de mémoire liés à un passé, je dirais, à des volontés démocratiques. Il y a, par exemple, la charte de Huy au Moyen-Âge ou la paix de Faix, qui sont des avancées démocratiques en plein Moyen-Âge. Lorsque je dis démocratique, je l'entends au sens bien sûr d'aujourd'hui. Je ne veux pas commettre un anachronisme et juger le passé à l'aune de nos pensées d'aujourd'hui. Mais néanmoins, ce sont des avancées qui méritent qu'on les connaisse pour le moins. La Déclaration des droits de l'homme de Poller à l'époque de la Révolution française est aussi une de ces avancées démocratiques et cela mérite d'être mieux connu.
Il y a aussi tous ces lieux de mémoire qui ont été des lieux des congrès wallons. Il y a bien des choses qui peuvent être des éléments de construction d'un imaginaire. Et c'est, je crois, de cela que la Wallonie a besoin, c'est de construire un imaginaire. On met souvent l'accent sur la volonté de renouveau économique de la Wallonie. Et moi, je crois que les deux vont de pair, qu'un renouveau économique ne peut pas venir dans une population qui ignore ses potentialités. Contrairement aux acteurs flamands qui accordent une grande importance aux frontières de la Flandre, les acteurs wallons considèrent leur territoire comme une entité qui peut varier au cours du temps. Voilà une conception flexible des frontières régionales. À mon sens, d'ici un siècle, la Wallonie se sera redécomposée en zones telles que les régions, l'Ardenne avec le Grand Duché de Luxembourg, l'Ardenne française. Et pour ce qui est de l'ouest de nos régions, l'ancien pays Picard. Donc on peut très bien imaginer que les régions d'aujourd'hui ne seront que des régions temporaires en vue de l'évolution à l'intérieur d'un État européen, fort au début, et puis les hommes étant ce qu'ils sont, évolutifs, nous allons avoir une Europe qui va probablement aussi se dissoudre dans le temps pour avoir quelques grandes zones, 7 ou 8 zones d'influence à l'échelle de la planète. Et là aussi, une complémentarité. Dans la concurrence, on aura la guerre. Dans la complémentarité, on aura la paix. Si on veut la paix pour 1000 ans, il faudra s'ouvrir. Philippe Destade vient de parler de culture d'entreprise, Jean Pirotte de construire un imaginaire. On arrive là à la culture. Quelle idée flamands et wallons se font-ils de leur culture? Oui, là, de nouveau, j'ai constaté d'énormes différences dans la conception de la culture en Flandre et en Wallonie. Les Flamands se félicitent d'avoir une culture d'envergure. Ils sont fiers que la culture flamande est connue et reconnue aux quatre coins du monde. La Flandre a rayonné dans le monde entier, dans son passé, et aujourd'hui elle poursuit son chemin, disent-ils. Alors on peut, par exemple, écouter le ministre-président du gouvernement flamand. Nous devons bien faire attention à ne pas nous référer en permanence à la source culturelle du passé. Il existe de nombreuses expressions de la nouvelle créativité culturelle. Quand je vois ce qui se passe dans les domaines de la danse, de la mode, de la musique contemporaine, je suis très heureux de voir qu'il n'y a pas que cette photo traditionnelle qui est prise et imprimée dans les très belles brochures ou dans les très beaux livres. La réalité actuelle y figure aussi. Ce qui frappe également quand on accueille de jeunes Japonais, c'est qu'ils nous disent « c'est fantastique, vos cathédrales, vos bâtiments civils, etc. C'est unique, le Festival des Flandres ». Mais la Flandre d'aujourd'hui et de demain comprend et comprendra d'autres choses encore. C'est vrai qu'il existe un appel permanent pour dire que la culture est une évolution, une interaction, quelque chose qui s'appuie sur le passé. Mais je pense qu'ici et là, dans le monde et dans beaucoup d'endroits, la culture flamande est un peu un point de référence. C'est une des raisons, selon moi, pour laquelle il faut rechercher des liens culturels qui existaient autrefois, si nous désirons une collaboration avec d'autres régions ou pays. La plupart des dirigeants flamands considèrent que la Flandre a une culture particulière. Ils plaident pour le maintien de la diversité culturelle en Europe. Je voudrais seulement dire que la Flandre se considère comme une communauté bien délimitée, certainement sur le plan culturel. Et il faut ajouter que malgré notre bonne collaboration avec les Pays-Bas, notamment à cause de notre langue commune, nous sommes très différents d'eux. Nous n'avons pas la même identité culturelle. Ici joue le rôle de la religion, même si elle n'est plus pratiquée. Un autre élément, il ne faut pas l'oublier, est que nous avons toujours été bercés par la culture latine, par nos contacts réguliers, permanents, avec la Wallonie,
mais aussi, si je peux m'exprimer ainsi, par nos anciens colonisateurs, par l'Espagne, l'Italie aussi, il y a une forte présence. Il existe donc un terrain d'échange. Cela dit, chaque peuple a sa particularité. Toutefois, une minorité des interviewés, issus du monde de la culture, regrette la marchandisation de la culture et dénonce l'utilisation par le gouvernement flamand de la culture comme un outil de propagande dans ses relations extérieures. Tel le système des ambassadeurs culturels créé par le Premier ministre flamand. Mais le système d'ambassadeurs culturels flamands est questionné, non seulement par moi, mais est questionné parce que la sélection est, disons, la sélection n'est pas sans poser de problème. Et surtout en matière de musique. Il y a des ensembles, des orchestres auxquels on a demandé de changer leur nom parce qu'il y avait le mot « belge » dans le nom où le mot « flamand » ne figurait pas, où le nom était français. La Petite Bande, par exemple, qui est un orchestre d'une renommée internationale. Et puis je me demande, est-ce que les culturels qui acceptent cet argent doivent vraiment servir les ambitions du Premier ministre flamand? Ça, je me demande. Est-ce qu'il faut s'abaisser à tel point? Ça, je ne comprends pas très bien. Et les acteurs wallons, que disent-ils de leur culture? Mais les acteurs wallons évoquent très peu la culture en Wallonie. Bon nombre de dirigeants identifient la culture wallonne à du folklore, à du repli sur soi. Et selon le philosophe José Fontaine, la culture wallonne a toujours été exclue de la conception officielle de la culture en Belgique. Oui, c'est intéressant parce que le Larousse est évidemment l'instrument ou l'outil de savoir le plus répandu dans les pays de langue française, en tout cas. Or, il est intéressant de voir que dans le Larousse, jusqu'en 1983, le plus grand espace consacré à la Belgique n'était pas l'article Belgique, qui comportait peut-être une page ou deux, mais une espèce de cahier à l'intérieur du Larousse, fait d'une trame un peu plus solide et représentant des photos sur lesquelles on voit par exemple l'église Saint-Jacques de Liège, la cathédrale de Tournai, enfin, une série de constructions wallonnes ou par exemple les fonts baptismaux de Régnier de Huy. Et toutes ces productions-là étaient regroupées sous l'intitulé « Art flamand ». Ce qui ne me dérange pas parce que ce serait flamand, mais parce que c'est une espèce de négation. C'est une façon de dire que la Wallonie n'existe pas. Pour faire face à cette méconnaissance de la culture en Wallonie, plus de 100 intellectuels et personnalités du monde culturel ont élaboré le « Manifeste pour la culture wallonne » dans les années 80. Selon les signataires, le problème ne résiderait pas dans l'inexistence d'une culture en Wallonie, ce qui est facilement réfutable, mais dans la non-reconnaissance de cette culture. Jean Louvet est co-signataire du manifeste. Mais c'est une réaction d'artistes, d'intellectuels, d'hommes de science, qui disent à peu près ceci. Il y a eu une Belgique unitaire, une seule Belgique, un État, une langue, enfin la Belgique classique. Et puis tout à coup, il y a un État fédéral, la Flandre, la Bruxelles, la Wallonie. Est-ce que la culture qui existait auparavant ne doit pas être pensée en fonction de ce nouvel État? Voilà. Alors, le problème est d'autant plus urgent pour nous, donc signataires de ce manifeste de la culture wallonne, parce qu'on se rend compte assez vite que la Wallonie a un passé, mais elle ne le connaît pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer une société avec un avenir si elle ne connaît pas son passé. C'est impossible. D'ailleurs, la Wallonie ne fonctionne pas. C'est une société mal dirigée et qui ne décolle pas. Parce qu'on ne peut pas faire une société sans projet culturel. Ça n'existe nulle part au monde. Donc nous avons un vrai problème. Ça va mieux, dirait l'autre. Hein. Mais nous avons un vrai problème de ce côté-là. Et si vous n'avez pas de passé, si vous n'avez pas de futur, le présent est inexplicable. Donc ça, c'était une urgence, si vous voulez, pour rassembler les intellectuels de Wallonie, pour qu'ils ne partent plus d'abord,
vers Bruxelles, vers Paris. Vous savez, la Wallonie a été longtemps vidée de sa création. C'est terrible, une société que tout le monde fuit. Les références à la France sont également légion chez les interviewés. La culture wallonne ferait partie intégrante de la grande culture française. Mais l'analyse historique fait que, oui, on voit, et je ne suis pas le seul, Félix Rousseau, Pirenne lui-même, soulignait qu'il n'y a aucun doute que la Wallonie fait partie de la civilisation et pourquoi pas de la nation française. Maintenant, on peut s'interroger sur le fait de savoir si le rattachisme, le rattachement à la France, la réunion à la France est l'élément de déterminant et déterminé de la Wallonie. Et là, je reprends une formule de Haril Carlier, ce militant wallon de Charleroi, qui disait en 1938 qu'il n'était pas prouvé qu'une région comme la Wallonie, même si elle faisait partie de la nation française, ne pouvait pas vivre sa vie en dehors de la nation française. Et je considère toujours qu'en 1997, eh bien, ce n'est pas démontré. Ça pourrait l'être rapidement, l'évolution politique pourrait être rapide, mais je ne crois pas qu'il soit utile aujourd'hui de défendre un projet de rattachement à la France. Il faut intégrer une alliance avec la France, mais ce serait pousser l'opinion publique dans une idée qui consisterait à dire qu'après avoir trouvé son salut dans la Belgique, trouver son salut dans une alliance avec Bruxelles, eh bien la Wallonie pourrait trouver son salut dans une alliance avec Paris. Je dis qu'aujourd'hui, il faut que la Wallonie trouve son salut en elle-même, trouve ses propres forces de résister en elle-même, de faire face à ces difficultés économiques, sociales, culturelles qui sont réelles, en soi. Parle de projet pour la Wallonie, parle de reconversion, d'économie. Et que disent les acteurs flamands sur leur économie ? En fait, les acteurs flamands regrettent très fort la perte de contrôle de la Flandre sur ses activités économiques. Ils regrettent que les centres de décision des grandes entreprises et des entreprises multinationales se trouvent à l'étranger. Ils regrettent la vente des entreprises flamandes à des groupes étrangers. En fait, ils souhaiteraient que la Flandre recrée ou crée en plus des holdings pour garder l'argent flamand en Flandre, en quelque sorte. Il souhaiterait que les grands centres de décision restent en Flandre. Il souhaite, comme c'est le propre de toute l'histoire du mouvement flamand, que la Flandre garde la maîtrise complète de son économie et de ses finances. On peut écouter de nouveau M. Vink à ce propos. Je voudrais d'abord dire que l'ancrage n'est pas limité au fait des capitaux. Je crois que la discussion en Flandre prend une tournure beaucoup plus large, en ce sens que maintenant nous sommes persuadés que l'ancrage non seulement lié aux capitaux, mais surtout lié au fait des centres de décision. Les centres de décision, vous pouvez les tenir en Flandre ou dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle région, si vous avez les compétences nécessaires. Par exemple, au niveau industriel, ça va la recherche et le développement, c'est le contrôle sur le marché, c'est les capacités de production. Et donc là où nous insistons maintenant, c'est l'ancrage, bien, c'est un concept qu'il faut défendre, mais l'ancrage n'est vraiment réalisé qu'à travers les contrôles, ou pas seulement le contrôle, mais aussi la participation au niveau des centres de décision. Et là, nous avons beaucoup de cas. Janssen Pharmaceutica en est un, Bekaert en est un autre, l'Union Minière aujourd'hui en est un troisième. Donc on a pas mal de sociétés qui finalement peuvent démontrer ce concept. Du côté wallon, de tout autres enjeux s'expriment. Bon nombre de dirigeants wallons estiment que l'économie doit être au service des gens et non l'inverse. Ils veulent un développement harmonieux. C'est pourquoi le droit au travail, le droit à un environnement de qualité, l'équilibre entre la nature et l'économie sont estimés comme importants. Les réseaux de forces vives au niveau des sous-régions sont également un élément important pour le développement local. Les dirigeants wallons envisagent l'avenir de la Wallonie avec espoir. Bientôt, la Wallonie renouera avec la richesse de son passé, disent-ils. Nous avons connu la restructuration de grands secteurs d'activité comme la sidérurgie, le textile, les fabrications métalliques lourdes. Nous avons connu surtout la fermeture des charbonnages. Nous avons perdu des emplois, nous avons perdu environ 200 000 emplois dans le secteur marchand. Maintenant, il y a toute une série de signes d'espoir en Wallonie.
D'abord, nous avons bien réalisé ces grandes restructurations. Aujourd'hui, notre sidérurgie, et je pense essentiellement à Cochin-Sambre, est une des plus modernes d'Europe. Nos cimentiers et nos verriers comptent des unités en Wallonie parmi les plus modernes du monde. Nous avons d'autres nouveaux secteurs qui sont en train de se développer. Je pense à la biotechnologie, par exemple. Je pense à l'agroalimentaire qui connaît une nouvelle jeunesse. Deuxièmement, on parle toujours de la Wallonie dans son entièreté. C'est vrai que le vieux sillon industriel connaît une période et une situation défavorable. Mais nous avons d'autres sous-régions wallonnes, certains bassins qui, au contraire, connaissent un très beau développement. Je peux vous citer, vous les connaissez, mais la région de Mâcon-Comines, le sud de la province de Luxembourg, notre région, notre communauté germanophone. Ici, le centre du Brabant wallon, par exemple. Et puis un petit pays que j'aime beaucoup, qui est le bassin de Hervaux-Belle, entre Liège et la frontière allemande, zone extrêmement agricole, mais qui connaît un développement industriel réellement vraiment remarquable. Donc il y a des signes d'espoir en Wallonie. Nous avons la preuve maintenant qu'il y a moyen de surmonter nos difficultés, qu'il y a moyen de créer du neuf en Wallonie. La question fondamentale, c'est de faire plus et de faire plus rapidement. Et de ces différents aspects que vous avez observés, quelles conclusions tirez-vous? On pourrait dire en gros que les Flamands considèrent la Flandre quand même comme une nation et que les Wallons considèrent la Wallonie comme une région. Les Flamands s'inscrivent clairement dans ce processus de la Flandre qui se développe petit à petit vers un État-nation. Ils se sentent fortement appartenir à la Flandre. Certains sont plus critiques que d'autres, mais finalement, il y a quand même ce sentiment d'appartenance qui est présent chez tous. La culture, ils en sont tous fiers, même que certains disent que la culture est manipulée par le gouvernement flamand, n'empêche qu'ils sont fiers de leur culture flamande. Sur le plan économique, en Flandre, on a certaines craintes pour l'avenir, vu qu'on craint qu'on va se reposer sur ses lauriers. Alors, quand on tourne le regard vers les Wallons, le sentiment d'appartenance est plus flou. Le territoire wallon n'est pas aussi net que le territoire flamand. Poreux. Plus poreux. La culture, on n'en parle presque pas. On se sent intégré dans la grande culture française. La culture wallonne, elle est à rechercher encore. Jean Pirotte parle d'un petit enfant qui cherche ses repères. Du côté économique, les Wallons sont paradoxalement assez optimistes. Ils disent que la Wallonie est en train de décoller, de sortir de son déclin économique. Donc, assez paradoxalement, les Flamands sont un petit peu pessimistes par rapport à leur avenir économique. Les Wallons sont assez optimistes. Ils croient quelque part en leur potentialité.